Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Scène Petit Génie, votre émission d'excellence. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme nous avons l'habitude de le faire souvent, très souvent, vous allez vous lever et nous allons procéder à la levée des couleurs. Et c'est vous qui allez entonner l'hymne national du Sénégal. Merci. Alors, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, nous allons procéder donc à la présentation des équipes. Et là, nous allons commencer avec l'équipe A. Bonjour, je m'appelle Yacine Lecor. Je fais la classe de CM1B. Je vous présente mes deux camarades, Magou Gueye et Alincha. Merci. Merci, équipe B. Équipe C. Bonsoir, je m'appelle Laura Tudjawara. Voici mes deux camarades, Fanoto Doukouré et Kumba Kouate. Merci beaucoup. Et là, nous allons laisser encore le soin aux membres du jury de se présenter. Aujourd'hui, Mouche Dian n'est pas là, il est excusé. Alors, Monsieur Sankaré. Je me présente Djibril Ali Sankaré, directeur de l'école PA16, IEF des Passés Assini. Merci, Monsieur Diop. Professeur de lettres, chercheur évaluateur à la division évaluation de l'INEAD. Voilà, merci Monsieur Sankaré et Monsieur Diop. Nous souffrons d'un mal partout, ce sont les perturbations scolaires qui amputent amplement le quantum horaire et le contenu des apprentissages peut-être mal consommé. C'est une école qui n'est pas l'une des plus vilaines. Elle n'est peut-être pas la plus belle, mais elle fait partie des meilleures écoles sur le plan cadre et environnement, ce qui est important pour l'épanouissement intellectuel, moral des enfants. Nous avons ce qui est important, ce qui est indispensable pour la poursuite des apprentissages. Et pour cela, nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes outillés par l'État et il y a la mairie aussi qui nous appuie. La mairie de la Patois via la mairie de Dakar, la mairie de ville. Je dis souvent que les enfants payent des pots qu'ils n'ont pas cassés. Dans les maisons, ils ne sont pas surveillés. Les enfants n'ont plus de modèles. C'est la lutte, c'est la danse. Ce sont des invectives, des querelles de bas étage. Alors que les enfants sont l'avenir de ce pays. Si nous déployons des efforts pour sortir le Sénégal de la pauvreté, il faut qu'on ait un regard assez généreux à l'endroit des enfants. Les enfants manquent de modèles. L'école, en principe, doit redresser la tête des enfants pour en faire de grands hommes. Nous avons un charmant pays, mais nous avons une jeunesse qui est mal comprise si elle n'est pas tout à fait délaissée. Nous allons donc démarrer les questions. Chers élèves, nous allons démarrer par les QCM. Les QCM, c'est les questions à multiples choix. Nous allons vous poser une question et vous donner une série de réponses et vous allez choisir la bonne. Écoutez bien, ou bien même regardez au tableau. Donne la bonne réponse. L'État est un bien patrimonial, 2, un héritage familial, 3, une propriété personnelle, 4, une institution impérissable. Vous avez 30 secondes pour donner la bonne réponse. Thank you.
l'État est un bien patrimonial, un héritage familial, une propriété personnelle ou une institution impérissable. C'est une bonne réponse. Alors, nous allons passer aux appariements. Vous allez relier chaque début de phrase de la colonne A au membre de la phrase de la colonne B selon le sens. Phrase A, un enfant bien informé a plus de chances. B, un abus sexuel a inévitablement. C, l'agresseur est souvent une personne. D, le viol. Et vous allez relier avec 1, des répercussions psychologiques sur l'enfant. 2, que l'enfant connaît bien. 3, il faut le dénoncer à la police. 4, d'échapper à une tentative d'abus sexuel. Alors, qui peut nous donner la bonne combinaison? Par exemple, le viol est interdit par la loi que l'enfant connaît bien. Je sais que c'est faux, mais c'est comme ça que ça se passe. Vous allez relier selon le sens. Alors, qui se risque? Équipe A. Un enfant informé a plus de chances que l'enfant connaît bien. A plus de chances que l'enfant connaît bien. Non. Un enfant informé a plus de chances qu'un enfant pas informé. Non, vous n'avez pas vu au tableau où on écrit un enfant pas informé. Alors, je vais vous donner les bonnes réponses. Un enfant bien informé a plus de chances d'échapper à une tentative d'abus sexuel. C'est A, donc 4. Après, un abus sexuel a inévitablement des répercussions psychologiques sur l'enfant. B, donc... L'agresseur est souvent une personne que l'enfant connaît bien. Le viol est interdit par la loi, donc il faut le dénoncer à la police. Alors, les membres du jury, je pense qu'on ne donne pas de points sur ce coup. Oh, pas de points malgré la réponse que vous aviez trouvée. Donc, on va passer à la rubrique « Le sais-tu ?». Avec les mots croisés, vous connaissez bien les mots croisés. Donc, vous allez trouver les termes qui se cachent derrière cette grille. Vous allez voir la grille au tableau. Il y a deux réponses verticales à trouver et une réponse horizontale. Et c'est des mots qui ont trait aux élections. La première colonne verticale, c'est là où vous cachez quand vous votez. Et ça commence par IS. Là où vous vous isolez quand vous votez. L'autre réponse, l'autre colonne verticale, c'est l'ensemble des votes. Prenez le micro si vous avez une réponse à donner. Hein. Allez, faites un effort. Pour le moment, ça ne va pas très 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 fort. Hein. Équipe C. La capitaine d'équipe de l'équipe C. Je vous ai entendu murmurer un mot. Ayez le courage de le dire haut. Prenez le micro.
Isolement. I? Isolement. Isolement, non, non, c'est pas isolement. Isoloir. Isoloir, c'est une bonne réponse. Mais compte, et c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. La deuxième colonne verticale, l'ensemble des votes. Et on vous donne les trois premières lettres. Suf. Équipe A. L'action. Non. Le mot commence par suf. Vous l'avez au tableau. Bon, je vais donner la réponse, c'est suffrage. Suffrage. Et l'autre réponse, la colonne horizontale, vous l'avez, l'autre réponse? Ça concerne toujours les élections. C'est élection. Il fallait trouver élection. Sur ce coup, c'est l'équipe C qui a marqué un point. Alors, nous allons passer à la question fermée. Et là, quand même, vous n'avez pas le droit d'échouer. Hein, parce que pour le moment, il n'y a que deux points qui ont été marqués. Alors, citez les départements de la région de Dakar. Équipe C. On a Edjawa. Oui. Rufus. Et Dakar. Guédiouaï, Rufus et Dakar. Équipe A. C'est Guédiouaï, Rufus, Dakar et Pikin. Guédiouaï, Rufus, Dakar et Pikin, c'est une bonne réponse. Alors, maintenant, nous allons passer au puzzle. Et là, vous allez reconstruire une phrase qui a été déconstruite. Vous avez les mots. Rarement, il est d'abus lorsqu'il, l'enfant, il est victime que prouvément sexuel. Alors, vous en faites une bonne phrase. Vous avez 2 minutes, il vous reste 1 minute. Et le premier qui termine peut lever la main. Alors, qui va me donner la bonne phrase? Équipe A. Il est victime rarement d'abus sexuels. Non, je vous arrête. C'est pas la bonne phrase. Vous écrivez et vous donnez la phrase qui vous semble juste. Vous essayez de trouver le sujet, le verbe et le complément. Alors, vous avez eu suffisamment de temps.
Je vais vous donner la réponse donc, puisque vous n'y arrivez pas. Qui veut essayer? Équipe A? Non. Prouvé. Non. Il est prouvé. C'est ça la bonne réponse. Il est prouvé que l'enfant ment rarement lorsqu'il est victime d'abus sexuels. C'était la phrase à trouver. Et là, nous allons passer aux mathématiques et on espère que ce sera le bon, hein? Équipe A. Là, c'est un exercice qui concerne l'équipe A. Vous trouvez le nombre manquant et écris-le sur les pointillés. Vous avez 5, 15, ensuite des pointillés à remplir et le tout vous donne 35. 2, 3, 6, 9. Et là, vous allez remplir les pointillés. Le 3, 8, les pointillés, 24, 32. Vous envoyez quelqu'un au tableau pour résoudre ça. Non, c'est pour l'équipe A. Patientez, veuillez patienter, équipe B. Pour l'équipe B, vous avez votre exercice au tableau. Là aussi, vous pouvez envoyer un représentant. Allez-y au tableau. Et là, pour les élèves, pour nos téléspectateurs, la question c'est quel est le quart de 40? Deuxièmement, quel est le tiers de 9? Troisièmement, quel est le triple de 11? Équipe B, envoyez quelqu'un au tableau. Pour résoudre cela, équipe C met dans chaque case vrai ou faux. 1, 54 divisé par 9. Équipe C, vous amenez quelqu'un au tableau, donc mais dans chaque case, vrai ou faux, 54 divisé par 9, supérieur à 10, 370 plus 420, inférieur, 690, 79 moins 42, supérieur à 24. Équipe C, la consigne c'est de mettre vrai ou faux. Si c'est vrai, vous mettez V. Si c'est faux, vous mettez F. Équipe A, veuillez regagner votre place. Vous étiez le premier à aller au tableau.
Alors, je vais laisser le soin à M. Sankaré de donner les résultats. Bien, pour l'équipe A, on a écrit 5, 15, 35. Si vous regardez bien, on a dit qu'il y a des pointillés, il faut écrire en nombre. C'est la progression par 10. 5 plus 10 égale 15, 15 plus 10 égale 25. Donc il fallait écrire 25. Ensuite, 25 plus 10 égale 35. Ensuite, la suite, 3, 6, 9. Si vous regardez bien la progression, ce n'est pas 3. 3 plus 3 égale 6. 6 plus 3 égale 9. 9 plus 3 égale 12. Donc il fallait écrire 12. Ensuite, 8. 24, 32. Si vous regardez bien, 8 plus 8 égale 16. 16 plus 8 égale 24. 24 plus 8 égale 30. Donc il fallait écrire 16. Donc l'équipe A ne marque pas de points. Équipe B, quel est le quart de 40? Vous trouvez le quart d'un nombre, on divise par 4. Il fallait diviser 40, diviser par 4 pour trouver 10. Quel est le tiers? Tu as bien compris, c'est bien. Donc tu as divisé 9 par 3, ça fait 3. Donc trouver le tiers d'un nombre, c'est divisé par 3. Ensuite, le triple. Vous trouvez le triple d'un nombre, on le multiplie par 3. Donc 11 fois 3, 33, c'est très bien. Donc l'équipe B marque 2 points. Ensuite, pour l'équipe C, on a écrit 54 divisé par 9. Si c'est supérieur, c'est-à-dire plus grand que 10, il faudrait d'abord effectuer l'opération. 54 divisé par 9 égale 6. Est-ce que 6 est plus grand que 10? Non, c'est faux. Donc ça, c'est bon. Un point. Ensuite, 370 plus 420, si c'est inférieur à 640. Donc il fallait d'abord effectuer l'opération. 310 plus 420 égale 790. Est-ce que c'est inférieur? C'est faux. C'est très bien. Ensuite, 79 moins 42, si c'est supérieur à 24. C'est vrai. Donc, l'équipe C marque 2 points. L'équipe B marque 2 points. L'équipe A ne marque pas de points. Alors, l'équipe A qui ne marque pas de points. 2 points pour l'équipe B et 2 points pour l'équipe C. Nous allons toujours rester avec les calculs. Calcul mental cette fois-ci. Équipe A, chacune de ces 10 classes d'une école compte 52 élèves. Quel est le nombre des élèves de l'école? Équipe A, vous faites vite, hein, parce que là, ce n'est vraiment pas difficile. Chacune des 10 classes d'une école compte 52 élèves. Quel est le nombre total d'élèves de cette école? Le nombre des élèves de l'école, c'est 520. 520, c'est une réponse juste. Équipe B, écoutez bien, vous regardez au tableau. Dans un livre, il y a 326 illustrations en couleur et 74 illustrations en noir et blanc. Quel est le nombre total d'illustrations dans le livre? Quatre cents, c'est une bonne réponse. Équipe C, Abdoulaye a 7470 francs d'économie. S'il achète un livre à 3490, quel sera le nouveau montant de ses économies? Le nouveau montant de ses économies sera 3980. 3980, c'est une bonne réponse. Alors, avant de clore cette première manche, nous allons à présent aborder l'épreuve qui fait peur souvent aux élèves, c'est la communication orale. Et nous allons démarrer avec l'équipe A. Écoutez bien, il y a un événement heureux chez vous, dans votre maison, un baptême, un mariage. Alors, dans ton quartier, ou bien dans ta maison, racontez. Il y a un événement heureux dans votre maison, baptême, anniversaire ou mariage.
Racontez-nous comment cela s'est passé. Alors, vous écoutons. Dans notre maison, il y avait un anniversaire. C'était l'anniversaire de mon petit frère. Ensuite, ma mère a préparé des gâteaux, des jus, etc. On a mangé. Il y avait aussi des invités. La fête s'était bien passée. Tout le monde était content et on était heureux. Merci. Voilà, et quand même, elle mérite des applaudissements. Alors, vous aurez tout à l'heure votre note. Équipe C, aujourd'hui, il y a un match interclasse. Vous connaissez les matchs interclasse. Vous y avez assisté. Racontez-nous l'ambiance qu'il y avait, les retrouvailles. L'école Supreme a organisé un match d'interclasse. Le jour, on a acheté des ballons, des maillots, des sifflets et des bouteilles d'eau, etc. Et l'assistante était contente. Le jour du match, on était contente et notre classe a gagné. Voilà, le jour du match, vous étiez content et votre classe a gagné. Alors donc, c'est la fin de la première manche et là, une des trois équipes devra nous quitter. Donc, nous allons laisser le soin aux membres du jury de procéder à la délibération et de nous donner les résultats. Après la première manche, le jury a enregistré les résultats ci-après. Équipe A, 9 points. Équipe A, 9 points. Équipe B, 8 points. Équipe B, 8 points. Équipe C, 9 points. Donc, il y a ex aequo. Donc, il y a ex aequo entre équipe A et équipe C. Équipe A et équipe C. Donc, l'équipe B est déjà qualifiée. Après la première manche, le jury a enregistré les résultats ci-après. Ah, donc, B a 8 points. Ah, donc, c'est B qui va nous kicker. B va nous quitter, donc équipe A et équipe C donc, vont concourir pour la finale. Et à l'issue de cette finale, nous saurons, à l'issue de ces deuxièmes manches, donc, nous saurons quelle est l'équipe qui va représenter donc, l'école Supreme donc, lors des demi-finales. Donc équipe B, malheureusement, vous allez devoir nous quitter. Mais en attendant, nous allons accueillir les jeunes élèves donc, de cette école pour nous présenter en sketch où certainement ils vont nous prodiguer encore des valeurs civiques à respecter. Chocopin, au chocolat big teaser,
sur la vitamine. Kangoo, la meilleure boisson chocolatée. Sarangirial, larabirara, sarangirial, larabirara, sarangirial, larabirara, sarangirial, larabirara, sarangirial, ah, 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 Regardez cet enfant couché au soleil. Sous le vent, c'est un talibé. Il est malade. Pourtant, selon la convention relative aux droits de l'enfant, il a des droits. Qui va me dire quels sont ces droits qui ne sont pas respectés? Tous les enfants ont droit à la vie, à un nom et à une nationalité. Chaque enfant peut dire ce qu'il veut, librement pratiquer sa religion, s'informer et s'associer à d'autres enfants. L'enfant a droit au secours en priorité. Il doit être protégé de la violence et de l'exploitation des adultes. Tous les enfants ont droit à l'éducation. Tous les enfants naissent égaux, sans distinction de race, de religion ou de nationalité. Les enfants ont droit à un logement. Ils doivent pouvoir manger à leur faim et être soignés à leurs malades. Chaque enfant a droit à une famille et un foyer, a le droit d'être écouté, entouré et aimé. Tous les enfants ont le droit d'être à l'abri de la misère et de vivre dans la dignité. Ils doivent être élevés dans un esprit de solidarité, de compréhension, d'amitié et de la justice entre les peuples. Priorité est donnée aux enfants handicapés, aux réfugiés et aux sans-famille. Au secours de l'humanité, Ndeysan. Au secours de l'humanité, à le non-respect de l'enfant est un crime, à la négligence de l'enfant est un crime, à la maltraitance de l'enfant est un crime, à c'est pourquoi nous les combattons jusqu'à la mort, à c'est pourquoi nous les combattrons jusqu'à la mort. Alors, retour sur le plateau et merci pour ce magnifique sketch. Alors, depuis le début de l'émission, quand même, j'ai commis un crime de lèse-majesté. Je n'ai pas encore remercié nos chers sponsors que sont Kangoo, Chocopin, Claire Afrique, le ministère également chargé de la promotion des valeurs civiques, la direction des droits et de la protection de l'enfance, l'INEAD, l'Institut national d'études et d'action pour le développement de l'éducation nationale. Alors, nous allons démarrer cette deuxième manche avec le premier face-à-face, le face-à-face aller. Et là, c'est une question pour l'équipe A. Comment s'appellent les habitants de Mbour, Louga et Kédougou? Équipe A. Alors,
Alors, ça ne nécessite pas autant de réflexion quand même. Comment s'appellent les habitants de Bourg, Louga, Kidougou? Équipe A. Les habitants de Bourg, Louga, Kidougou sont des citoyens. Non, non, vous n'avez pas bien compris. Comment on appelle un habitant de Bourg? Quelqu'un qui habite Bourg. Toi, tu habites à Dakar, tu es un Dakarois. Vas-y. Mbourois. Lugarois. Comment ça? Vous dites? Mbourois. Oui. Lugarois. Mais ça. Mbourois, Lugatois et Kedovin, Kedougou. Alors, deuxième question pour l'équipe A. Donnez le nombre de députés que compte l'Assemblée nationale du Sénégal. Le nombre de députés à l'Assemblée nationale, c'est 260 députés. C'est pas une bonne réponse. C'est 150. 150 députés. Troisième question. Je suis une région du Sénégal. On peut me lire de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Qui suis-je? C'est une région qui se trouve au nord du Sénégal. Oui? Salut. Non. C'est la région de Matam. Matam. Vous pouvez lire Matam de la gauche comme de la droite. Alors, donc là, c'est un zéro pointé. Vous ne marquez pas de points. Avant d'en venir au face-à-face retour, nous allons passer à la dictée. À la rivière, c'est le titre. À la ligne. La digestion faite. La digestion faite. Et la sueur. Et la sueur du front. Et la sueur du front. Essuyer. Virgule. Et la sueur du front essuyé. Virgule. On entrait dans l'eau. On entrait dans l'eau. On entrait dans l'eau. Et l'on poursuivait. Et l'on poursuivait. Sous les pierres bleues. Et l'on poursuivait. Sous les pierres bleues. Quelques petits poissons. Quelques petits poissons. Point. Point final. Quelques petits poissons. Quelques petits poissons. Point final.
Alors, vous restez au tableau, vous relisez bien ce que vous avez écrit avant de regagner votre place. Alors, donc, veuillez regagner votre place. Alors, je vais laisser le soin à M. Sankaré de venir corriger la dictée au tableau. Qui est traditionnel, là? Le titre, à la rivière, on tolère. La digestion faite. Participation devait le faire. Féminin, faite. C'est une faute. Tu avais bien trouvé, hein. On doit faire une autre faute, hein. Il faut relire. La digestion faite et la sueur du front essuyée. Participation s'accorde en genre. La sueur essuyée. Accent aigu, faute. On entrait. On, pronom indéfini, toujours sujet, entrée a été, c'est une faute. Dans l'eau, il faut bien écouter. Eh, on n'a pas dit on, eh, c'est une faute. L'on poursuivait, les verbes poursuivent à l'imparfait, poursuivait, a été, dans les pierres, bleues. Comment sont les pierres? Les pierres sont bleues. D'accord, en genre et en nom. On dit une pierre bleue, donc bleue. Une pierre bleue avec E. Les pierres bleues, on a du S. Une faute. Quelques petits poissons. Donc, une faute, deux, trois, quatre, cinq fautes. Donc, tu as 5/10 ici. 5/10, donc, pour l'équipe C. Là, vous suivez bien. La digestion faite. Attention, c'est un point. Faites, si vous mettez accent sur complexe, ça devient le sommet. Donc, on tolère. Hein? Faites et la sueur du front, essuyez une faute. On entrée, c'est on. Pronom indéfini, faute. On entrée, le verbe entrer à l'imparfait, a été. Dans l'eau et l'on poursuivait, le verbe poursuivre à l'imparfait. Sous les pierres bleues. Comment sont les pierres? Les pierres sont bleues, féminin, pluriel. E, S. Quelques petits poissons. Là aussi, 5 fautes, hein? 5 fautes, donc 5/10 également pour l'équipe A. Juste la moyenne. Merci, monsieur Sankaré. Alors, l'équipe C, donc nous allons entamer le face-à-face retour. Alors, le face-à-face retour donc avec l'équipe C. Première question, quel est le rôle du secrétariat général de la présidence de la République? Je vois que l'équipe A, je vous le concède, c'est une question quand même un peu salée. C'est un peu salée. Alors la réponse, il a un rôle de coordination administrative et de contrôle, le secrétaire général. Donc, est le plus proche collaborateur du président de la République. Deuxième question, à quoi sert la campagne électorale? Là, vous devez être en mesure de donner la réponse. À quoi sert? Ils ont le droit de réplique, hein, si vous ne trouvez pas. À chaque fois qu'il y a élection, vous voyez les leaders politiques entrer dans les quartiers, organiser des meetings. Dans quel but? Pour que les gens votent pour eux. C'est vrai. C'est pas mauvais, ouais.
pour que les gens votent pour eux, pour faire connaître également leur programme, pour que les gens votent pour eux, on peut l'accepter, c'est une bonne réponse. Alors, depuis quelle année le corps militaire et paramilitaire ont eu le droit de vote au Sénégal? Le corps militaire, depuis quelle année les militaires votent au Sénégal? C'est entre 2005 et 2010. Vous trouvez une date entre 2005 et 2010. Allez, risquez-vous, risquez une date entre 2005 et 2010. Si vous ne trouvez pas, ils ont le droit de réplique. C'est en 2007. En 2000? En 2007, c'est une bonne réponse. Voilà. Alors, donc l'équipe C qui s'est pas mal débrouillée sur ce coup. Alors, on va passer au vocabulaire. Et là, on vous a soumis un texte. Marche à travers la forêt, il suivait le même sentier qui serpentait entre les sangliers aux fruits verts auxquels succédaient les citronniers sauvages à l'arôme enivrant. La jeune fille accéléra son rythme en essaim de mouches voltigées devant elle, un texte signé Ousmane Sembène dans son livre « Au pays, mon beau peuple ». Alors, on vous demande d'expliquer le mot « sentier » dans le texte. Et puis, donner le synonyme, les synonymes du mot « arôme ». Et puis, vous donner un mot de la même famille que « enivrant ». Alors, lisez le texte, essayez de comprendre et dites-nous, expliquez-nous le mot « sentier ». Équipe A. Sentier. Oui. Ça signifie quelque chose qu'on est en train de construire, qui n'est pas encore prêt. Attendez. Là, il se pose un problème de prononciation. J'ai pas dit chantier. Ce que vous dites, c'est chantier. Mais là, c'est sentier. Et là, il suivait le même sentier qui serpentait entre les manguiers. Équipe C. Signifie un chemin. Signifie chemin, c'est une bonne réponse. Alors, arôme. Arôme. Vous nous trouvez des synonymes de arôme. Les citronniers sauvages à l'arôme enivrant. C'est quelque chose qu'on sent, arôme. Une sauce bien aromatisée, par exemple. Alors, c'est quelque chose qui a beaucoup de... Quelque chose qui a beaucoup de piment. Non, du tout. Aromatisé. J'ai pas dit pimenté, hein. Ni épicé, ouais. Équipe A. Le goût. Non. C'est quelque chose qu'on sent à travers les narines. Bon, parfum, odeur, c'est ça. Il faut toujours faire confiance donc à votre instinct. Alors, dernière question, vous donnez un mot de la même famille qu'enivrant. Un mot de la même famille qu'enivrant.
équipe A. Enivré, c'est une bonne réponse. Voilà, enivré, ivre. C'est bon. Le compte y est. Alors maintenant, nous allons passer à la conjugaison. Vous mettez la phrase au passé composé et au plus que parfait. Ils suivaient le même sentier. Équipe A. J'ai dit au passé composé et au plus que parfait. Équipe C. Ils ont suivi. Oui. Le même sentier. Au plus que parfait. Il avait suivi. J'ai pas bien entendu. Il avait suivi le même sentier. Il avait, comment vous écrivez, avait? A-I-E-N-T. A-I-E-N-T, c'est une bonne réponse. Alors, je pense qu'actuellement, c'est l'équipe C qui mène le bal. Mais c'est pas encore fini. On va aborder l'épreuve phare de l'émission, donc les remue-ménages. Et l'équipe qui s'en sort souvent remporte la victoire. Parce que c'est noté sur 15 points. Alors, dans une classe de CM1, il y a 45 élèves. Le nombre de garçons est le double de celui des filles. Calcule le nombre de filles et le nombre de garçons de la classe. L'équipe qui termine la première et qui trouve la réponse certainement va se qualifier. Alors, mademoiselle, veuillez regagner votre place. Je pense que vous n'y êtes pas du tout. Alors, vous allez vous asseoir et vous allez bien suivre Monsieur Sankaré vous expliquer comment cela se passe. Bien, les enfants, vous suivez, hein, suivez bien. Dans une classe de CM1, il y a 45 élèves. Le nombre de garçons est le double de celui des filles. Quel est le nombre de filles, le nombre de garçons? C'est un partage. Ici, les parts ne sont pas égales. Toujours, il faut faire un croquis d'abord. Faites-vous faire d'abord le croquis. La plus petite part, c'est la part des filles. Ah oui, il fallait faire le croquis. Faire le graphique. Ensuite, la part des garçons est le double, c'est-à-dire deux fois. Donc, si vous regardez bien, on a trois parts. Donc, qui constituent les 45 élèves. Donc, on calcule d'abord la plus petite part, la part des filles. Il y a combien de parts? Il y a trois parts. Donc, 45 divisé par 3. En 4, combien de fois 3? Une fois. Une fois 3, 3. Et autour de 4, il reste 1, 5. 5 fois 3, 15. Autour de 15. Donc, nous allons avoir 15 filles. Et le nombre de garçons est le
double. Vous trouvez le double d'un homme, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par 2, donc 15 fois 2, ça fait 30 garçons. Et on vérifie, 30 plus 15, ça fait 45. Donc toujours dans un projet de partage, il faut faire le graphique. Hey, merci les enfants. Alors vous voyez comme c'était simple. Attention, les calculs valent très très cher à l'examen. Je pense que c'est noté sur 80. Alors, il faut redoubler sur 100. Ouais, il faut redoubler beaucoup d'efforts. Donc, c'est la fin donc, de l'émission. Alors, on va laisser le soin aux membres du jury de délibérer, de procéder à la délibération pour nous donner le nom de l'équipe qui va représenter donc l'école de Soprime lors des demi-finales. Alors, monsieur les membres du jury, avant de donner les résultats, on va encore saluer nos sponsors Patissène, nos partenaires Kangoo et Chocopin, Claire Afrique également, le ministère chargé de la promotion des valeurs civiques, la direction des droits et de la protection de l'enfance, l'INEADE également. Alors, monsieur les membres du jury. À l'issue de la deuxième manche, les résultats enregistrés par le jury sont déclinés comme suit. Équipe A, 7 points. Équipe C, 16 points. Équipe C, 16 points. Donc c'est l'équipe C qui va défendre les couleurs de cette école. Alors, 16 points quand même, c'est un bon total. Mais il va falloir beaucoup cravacher quand même pour représenter dignement votre école lors des demi-finales. Et là, vous n'aurez pas le droit de vous rater. Merci donc, c'est cette cérémonie de remise de l'eau donc, qui va clore cette émission que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Nous remercions l'assistance, la directrice de l'école, l'inspecteur adjoint du district 2 qui était de passage ici, Mme Abdoulaye Seck. Nous remercions Prince Art, le staff technique qui nous a accompagnés et qui a permis donc la réalisation de cette émission. On se donne rendez-vous mercredi prochain à Grand Yoff, donc l'école de Grand Yoff, de la commune de Grand Yoff. Excellent après-midi à toutes et à tous et au revoir. Kangoo, Chocopin et Claire Afrique vous ont offert Scène Petit Génie.